Ça. On va aller voir ça de proche. Il a plu pendant que je finissais le crépi. Ça fait deux jours qu'il pleut. On va aller voir. Je pensais qu'il était pour arrêter de pleuvoir, fait que j'avais laissé le machadière là bien humidifié, mais il a jamais arrêté, fait que. On va aller voir les dommages que la pluie a causés. On va aller voir les craques dans mon crépi. C'est sûr qu'il va y avoir au moins une craque, là, mais. Attends, on va trouver. Excusez-moi, monsieur Lard. On va prendre plus de temps à sécher. Hey boss. Ok, interrompu par le boss, on retourne. Tata, 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 tata. Ok, on cherche les cracks. L'instant, j'étais chanceux. Allô, t'as. Sèche-moi vite en arrière de l'arbre. Tu sais que c'est René qui m'a appris à faire le crépi. C'est ça l'affaire, c'est René qui m'a appris à faire le crépi. C'est ça. C'est ça l'affaire. Amène-la ta tempête. Amène-la. Là, ça arrête ici. Ouais. Là, ça, c'est la deuxième couche. En tout, il y a quatre couches. Fait que compétition de crépi quand vous voulez, boys. Je suis là. Une petite affaire de crépi à faire, là. Appelle-moi. Une petite réparation à faire. Appelle-moi. Appelle-moi pas pour détruire ton mur. Appelle-moi pas pour bâtir ton mur. Mais pour la maintenance du mur. Appelle-moi. Je vais te mettre ça beau. Pictorial. Bonne journée, c'est moi en maintenance. Si t'as besoin d'aide, appelle-moi.